Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un speed coloring de Ocanto. La fantastique famille Madrigal. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est la 8e vidéo. Je les avais fait dans l'ordre. Voilà. Donc, c'est très rare chez moi que je les fasse dans l'ordre. Dans 2-3 quand même, quand j'ai fait toutes les playlists, parce que si vous n'avez pas remarqué, toutes les playlists sont à jour. Voilà. Vous voyez la grand-mère. La seconde sœur, l'aînée des sœurs, la petite dernière. On parle en même temps, on s'entend pas. Ouais. La mère et le père, c'est une des triplées. Et donc là, c'était le dernier, le père. Et donc là, c'est dans l'ordre, forcément. Ça sera la 8. Oula, non, t'es trop pressé, toi. Voilà. Ne parlons pas de Bruno, Et voilà. J'ai donné peut-être un petit indice, je ne sais pas. On verra bien. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, quand je ne l'avais pas vu. Je vous ai dit souvent, je ne l'ai pas vu. Et il est passé aussi à la télévision. Et donc, je l'ai regardé. Voilà. Alors, si vous êtes prêts.
Voilà, au canto, et nous avons droit au dernier frère. Nous rappelons qu'il y avait... C'était des triplés, deux filles et deux garçons que la grand-mère elle avait... Un garçon qu'elle avait eu, la grand-mère, pas deux garçons. Et donc Bruno, il est avec les rats, là. Ouais, il a un don de voyance, je crois bien, lui. Ouais, il prédit des mauvaises choses. Il pense prédire des mauvaises choses. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce magnifique coloriage est fini. On espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Adios. Bon dimanche.